Je viens de Tokyo. Je suis sixième génération de Tokyoïte. Mes parents, tous mes grands-parents, voilà, tout ça, en fait, ils habitent toujours Tokyo. Et toutes mes tombes aussi, en fait, sont à Tokyo. Donc voilà, je suis fier d'être Tokyoïte. Tokyo no Jo, ça veut dire Tokyo, c'est Tokyo. No, ça veut dire de en japonais. Donc Jo de Tokyo. Donc ça, en plus, ça rime. Tokyo no Jo. Bah, en gros, je suis venu en Suisse au moins peut-être 7-8 fois. De ce moment voyager, bien sûr, j'ai jamais vécu en Suisse. Donc, bon, d'abord, souvent en fait, je parle de différences culturelles, tout ça, en France et au Japon. Et souvent, je critique enfin, des inconvénients, tout ça, en fait, voilà, dans la vie quotidienne en France. Donc, souvent, des gens qui disent, ouais, pourquoi pas de parler en Suisse et tout, mais. Bah, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de choses à critiquer en fait en Suisse, hein, à part le prix. Donc, voilà, je pense que j'en parlerai la prochaine fois. Bah, pas encore, mais en fait, plus je connais en Suisse, peut-être je vois le mauvais truc, peut-être. Mais pour l'instant, en fait, ça me convient vraiment le voyage, tout ça. En fait, j'aime vraiment les gens ici, donc voilà. Souvent, l'idée qui germe dans ma tête, comme ça d'un coup, pourquoi pas le parler, c'est vraiment ça n'a rien à voir. Si je prends une douche par exemple, ah bah pourquoi pas le parler en fait, un truc supermarché et tout. Et sinon, bah, l'idée qui passe comme ça, sinon, bah, genre, par exemple, si je fais, bah, si je passe ma vie tranquille et que si je vois des inconvénients, tout ça, pourquoi pas de parler de deux choses différentes. Et vraiment, en fait, j'ai toujours des idées. Pour les vidéos, mais donc vraiment il y a beaucoup de choses à parler parce que le Japon et la France, bien sûr la Suisse est vraiment différent, mais surtout voilà donc si je vois des trucs différents et marrants surtout, voilà je parle souvent de bah, voilà ce sera le sujet dans YouTube. Une habitude comparée au Japon. Je sais pas, mais je pense que les gens sont bah, un peu plus similaires au Japon, les Japonais et les Suisses, ce que je trouve. Genre, au niveau de la mentalité, la politesse, peut-être le taux de crime aussi, c'est pas beaucoup au Japon. Bah, ça veut pas dire que la France a craint et tout, ça dépend des endroits, bien sûr. Mais je pense que, je sais pas, au niveau de politesse, au niveau de mentalité, au niveau de plus relax. C'est avec les Japonais et les Suisses, je trouve que c'est un peu identique. Retour négatif. Ah, non, parfois il y a des gens qui disent, bah, qui essaient de chercher ma maison, peut-être ça arrive, hein, mais non, pas vraiment jusqu'au. Je pense que je suis un YouTuber où il y a moins de critiques par rapport aux autres. Mais soit je regarde pas les commentaires. Mais moi, en fait, je dis souvent des gros mots, tout ça, en fait, en général dans les vidéos. Donc, les gens sont plus habitués que je suis comme ça le caractère. Donc, il y a moins de gens qui critiquent là-dessus. Donc, il y a des gens qui disent, oui, t'es japonais, il faut dire moins de gros mots et tout. Mais moi, je suis plus un peu parisien maintenant. Donc, en fait, je peux pas vraiment changer. Bah, la France, ce qui est bien, c'est vraiment il y a plein de choses, enrichissement culturel, on peut dire. Bah, déjà, pour les Japonais, quand on pense à l'Europe, le premier pays qui arrive dans ma tête, c'est notre tête, c'est la France. Et ce qui est bien à la France, c'est il y a beaucoup de pays intéressants autour de la France. L'Angleterre, l'Allemagne, la Suisse, la Belgique, l'Italie, tout ça, vraiment. Les pays que j'adore sont autour de la France. Donc géographiquement, ça c'est en fait ça me plaît. Donc j'habite à Paris pour me casser de Paris aussi. Mais pas que ça, en fait aussi il y a plein de choses gastronomiques. Voilà, il y a aussi la montagne, la mer, tout ça. Et vraiment, je peux sentir la quatre saisons en fait en habitant en France, à Paris. J'ai entendu, ouais, 80, 80. Ah, 80, ne vous dites pas 80. Ah, c'est bizarre, Neufchâtel, vous dites 80.
C'est comme en Belgique, ils disent 8, ils disent pas 80, ils disent juste en fait 80. À part ça, c'est 70 et 90, je crois. Mm-hmm. Ok. C'est vrai. D'accord, c'est drôle. Les expressions japonaises. Ah, il y en a plein hein, quand même. C'est par exemple, comme je suis à côté de bord de lac, il y a une expression en concernant de phare. Bon, je sais qu'il n'y a pas de phare ici, mais. Todai motokurashi. C'est-à-dire, toi, t'es une phare. On dit un phare ou une phare ? Un phare. Un phare, t'es un phare. C'est-à-dire qu'en fait, il y a quelque chose qui est important. En fait, par exemple, tu es en train de chercher en fait, ton portefeuille. Mes portefeuilles, c'est ici. Mais tu regardes là autour, donc comme le phare. Mais la chose plus importante, en fait, c'est toi qui as. En fait, c'est ce que tu possèdes déjà, un truc comme ça. Voilà, ça, c'est une expression japonaise. Après, il y a dialectes, tout ça, il y en a énorme. Dans le nord, par exemple, au Japon, il y a beaucoup d'expressions courtes, parce que comme il fait froid, les gens n'aiment pas trop ouvrir la bouche. Donc, ce que j'ai entendu, c'est vraiment il y a plein d'expressions très courtes. Et aussi dans le sud, comme tu vois en fait en France, parce que dans le sud, à Marseille, ils disent ça pègue et tout, parce qu'en fait, à cause de la chaleur. Et dans le nord, comme il pleut, donc en fait, c'est les vaches qui pissent et tout, comme ça, il y a plein d'expressions en fait en fonction des régions et en fonction de, voilà, des géographies, des lieux. Donc au Japon aussi, en fait, il y a aussi des expressions comme ça en fonction des régions et c'est intéressant de savoir. Merci à vous, c'est drôle de, voilà, d'avoir participé à l'interview comme ça. Merci.